Ma boss veut vous voir. Dis à ton boss que je ne veux pas la voir. Apparemment, vous ne savez pas qui elle est. Qui est-elle? Je t'en prie, colle-moi la paix. Où est-ce qu'il est? Madame, il m'a demandé qui est mon boss. Vraiment? Ok. Ouvre la portière. Je vais aller le voir personnellement. Salut. Quel mec. Tu sais, tant que tu resteras dans cette ville, tu ne pourras pas du tout échapper. Eve, mon amour, comment te sens-tu aujourd'hui? D'après toi, comment est-ce que je vais aller? Oh, est-ce que t'es toujours fâchée contre moi? Oh, mais arrête! Tu veux m'embaumer dessus ou quoi? Tu sais... De toutes les façons, j'ai un cadeau pour toi. Quel genre de fringues as-tu emballé dans ce sac? Non, en fait, ce ne sont pas des fringues, c'est juste de la bouffe. Oh, c'est pas vrai. J'en ai marre que tu me ramènes tout le temps des fichus repas que je n'aime pas. C'est comme ça que la dernière fois, tu m'as ramené du gari et du tuba. Ai-je l'air d'une affamée? De toutes les façons, Eve, je suis navrée. J'ai encore du travail au bureau, ok? On suivra plus tard. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Tu n'as qu'à l'ouvrir toi-même et tu verras. Écoute, évite de me stresser. Si tu ne veux pas me dire ce que contient ce sac, ramasse ton sac de merde et bats-toi d'ici. Va-t'en. D'accord. Comme je te l'ai dit, j'ai encore beaucoup de travail au bureau. Il faut que j'y aille. Attends, Mike. Regarde-moi. Vas-y, prends le temps de bien m'observer. T'es déjà sorti avec combien de filles classe comme moi, au point de me manquer de respect, t'es stupide. Eve, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Est-ce que c'est parce que je t'aime? Prends ça comme tu veux. Ouvre-moi ce, je ne sais pas trop quoi, et montre-moi ce qu'il contient. Ah! Si tu ne peux pas l'ouvrir pour voir ce qu'il contient, alors jette-le. Essaye donc un peu, je suis sérieuse. Ouvre-moi ce sac et montre-moi ce que tu m'as acheté. Ça ne va pas ou quoi? Si tu pas d'ici, je le fous à la poubelle. Donc, okay. Tu ferais mieux de l'ouvrir et me le montrer. Si tu veux vraiment savoir, regarde ça. Je t'ai acheté du djibou gari. Oh! C'est très appétissant, gari. Regarde. Oh mon Dieu! Très appétissant, ce djibou gari. Oh, ne l'ouvre pas! Hey, je n'ai pas son odeur! Ouais, oh non! Sens. Mais pourquoi? Monsieur, je suis fatigué. Ça fait plus de 3 heures que je vous conduis dans cette ville. S'il vous plaît, ça fait plus de 3 heures que je vous conduis. Je m'arrête ici. Nous ne sommes pas encore arrivés à la destination. Monsieur, je ne vais plus nulle part. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ah, s'il te plaît, ça fait plus de 3 heures. Je suis fatigué. Je t'en prie. Savez-vous combien on paye pour cette destination? Je sais, mais je ne suis pas encore arrivé où je vais. Je ne bouge plus. Je t'en supplie, s'il te plaît. Tu ne me connais pas. S'il te plaît, ne fais pas sortir. Attends. Oh, tu sais quoi? Démarrer. Et je te promets que je vais te donner 10 000. Je vais te donner 10 000. Juste le temps de changer mes dollars. Dépêche-toi. Ah, Mike, merci. Chai. J'ai faim. Mmh.
C'est ici? Tu es sûr que cet homme pourra nous aider? Oui, je vous l'ai dit, c'est mon client. C'est un de mes clients vient souvent ici. Il va changer de couleur. Un instant. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, je cherche Hassan. Oh, Hassan? Oui, monsieur. Hassan n'est pas là pour le moment. J'aurais voulu le voir. Oui. Emeka! Mekus! Emeka! J'ai appris que tu avais voyagé. Quand es-tu rentré? Ah, c'est vrai. Je viens juste de rentrer par la force des choses. J'ai été rapatrié. Tel que tu me vois ainsi dans mes bagages, il n'y a que 1000 dollars et c'est tout ce que je possède. Oh, Mekus, je suis vraiment désolé pour toi. Ça va. S'il vous plaît, vous pouvez entrer à attendre Hassan pendant que j'essaie de l'appeler. Mais avant, il faudrait que je paye ce gars. Hein? Combien ça fait? Ça fait juste 10 000. D'accord, c'est bon, c'est ça. Apporte mes sacs. D'accord. Allons-y. Ah, Mekus! Waouh, mais... Allez. Ah non, c'est bon. Comment tu vas? Mekus! Je suis très belle. Je suis sexy. Je suis riche. Et je suis super intelligente. Ah, mais quelle combinaison! Belle, intelligente. Oh, je suis nouvelle dans la ville. Les vieilles choses sont derrière moi à présent. Ah, il est temps de donner à mon corps ce qu'il ne fait que réclamer. C'est l'art de m'éclater comme je veux. Comme jamais. Oh. Coucou, bel homme. Oh. La prochaine fois que je te verrai, je t'apprendrai qu'on ne tourne jamais le dos à une très belle femme, à sa jamais. Oui, entrez. Madame, c'est prêt. Très bien. Caca. Madame. Te souviens-tu de ce mec? Tu sais, celui pour qui je suis descendue de la voiture la dernière fois. J'aimerais que tu me trouves toutes les informations sur sa vie. Okay. Parce que les moindres petits détails, ok? À vos ordres, madame. C'est parfait. Excusez-moi, madame. J'aimerais dire quelque chose. Vas-y. Madame, je ne pense pas que vous devriez perdre votre temps avec ce mec. Je le trouve un peu louche. De plus... ce n'est pas votre genre. Je connais les hommes de cette ville. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de chercher de jolies filles friquées. Juste pour se faire des sous. Et comment connais-tu mon genre? D'après toi, qu'est-ce que j'attends d'un homme? De l'argent,
Je suis tellement pleine aux as. De plus, personne ne t'a demandé ton avis. Contente-toi de faire le nécessaire, ok? Je suis désolé, madame. C'est compris. Je suis nouvelle dans la ville. Et je suis là pour me faire plaisir. Et c'est tout. Tout est dit. Tu peux prendre ma mallette. Allons-y. Prends ma mallette. Allons-y. Hey! Hey! Comment vas-tu? Je vais bien. Ça te dérange si je te dépose? Où que tu ailles, je peux t'emmener. Non, s'il vous plaît. Merci. J'insiste. Zubi, tu vois ce que tu as fait? Tu vois ce que tu as fait, n'est-ce pas? Zubi, ramène-moi ma voiture! Ramène-moi ma voiture tout de suite! Oh, mince alors! Écoutez, laissez-moi juste vous déposer. Mon nom est Aimé Kachaina, hein? Ce nom ne me dit rien du tout. Savez-vous qui je suis? Eh bien, laissez-moi vous épargner les détails. Je m'appelle Yves Diala, la fille unique du sénateur Diala de la Fédération. Comprenez-vous maintenant pourquoi je ne peux pas vous connaître? Ok, je suis désolé, ok? Ils sont bas. Aïe. Idiot, ils pouvaient au moins me supplier. Ah! Excusez-moi. Mmh. Écoutez. Laissez-moi vous offrir un verre, d'accord? Vous savez quoi? J'aime les mecs audacieux et vous venez juste de marquer un point. Allons-y. Hey, beau gosse, comment on se retrouve? Je vous demande pardon. C'est ce qu'on vous a appris? Sauter sur tous les mecs dans la rue et leur faire du rendre des dents? C'est très irrespectueux. Je ne m'adresse pas du tout. Je m'adresse à vous. Vous savez quoi? Je ne vais pas du tout me rabaisser à parler avec vous, ok? Rien qu'à vous voir, c'est très évident que vous... Vous ne valez que d'elle. Non. Peu importe. Comment s'appelle encore cette femme noire super riche? Elle a qui dit à Wannabe? Hey, c'est à vous que je cause. Et c'est mon homme. Appelez-moi, ok? Attends, tu ne vas pas me manquer de respect. Allons-y. En prenant cette carte. Bébé. N'ose pas. Écoute. Ne laisse pas. Hé. Tu ne vas pas te laisser emporter pour si peu, hein? Je te parle là. Que peut-elle m'offrir? Regarde-la. Elle est superficielle. Calme-toi. Tu en es sûr? Fais-moi confiance. Allons-y, ok? Entrons dans la voiture, on bouge. D'accord.
magie a finalement opéré. Pourquoi dis-tu ça? C'est de l'alchimie. L'alchimie, tu dis? Eh bien, Dixit, l'homme nu qui a suré dans cette chambre d'hôtel. C'est bon, je dois reconnaître que tu t'y connais. Tu vois, c'est pour ça que t'as besoin de moi dans ta vie. Et pour? Pour te donner du plaisir tous les jours. Oh, vraiment? T'es si impossible. Maintenant que tu m'as eu, c'est quoi la suite? Eh bien, je pense que t'es la femme avec laquelle je souhaiterais vivre pour le restant de mes jours. Bébé, je suis accompli. Au moment où je te parle, j'attends la livraison de 6 conteneurs d'ici la fin du mois. Et j'ai d'autres affaires qui me donnent de l'argent chaque week-end, donc... T'inquiète pas, je suis là. Sérieux? Eh bien, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi et j'aimerais que tu me répondes sincèrement. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que je te plais? Parce que t'es élégante, belle et intelligente. Bien. Je pense que tu me plais bien toi aussi, mais détrompe-toi, ça n'a rien à voir avec ta richesse. Mon père est un milliardaire, arrête ça. Je sais qui est ton père. Et je n'ai jamais manqué des riens de toute ma vie. Bien, je sais qui est ton père alors. T'inquiète pas, t'es à moi et je suis là. Ok. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un à la porte. Ça peut attendre, bébé. Je ne pense pas que ça soit important. Tu disais? T'inquiète pas. Je n'irai nulle part. Va juste voir qui est à la porte. D'accord, bébé, si tu l'as dit. Viens là. J'arrive! 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 Wow! Eve, mon ange, c'est bon, tu t'es calmée? J'ai mis tellement de temps pour ouvrir. Qu'est-ce qui te prenait tout ce temps? J'étais à la cuisine. Oh, la cuisine. Ouais. Bébé, je suis venue pour qu'on parle. Non, non, on ne peut pas parler maintenant. Je t'ai dit que j'étais à la cuisine. Je fais à manger. Pas de problème, je peux attendre. Non, non, tu ne peux pas attendre, Mike. Tu ne peux pas. Malo, Colin Squad 9, pourquoi est-ce que tu m'embêtes, hein? Je t'ai dit que je vais la ramener. Je ne vais pas m'enfuir. T'inquiète pas, je te la ramène, hein? D'accord. Oh. C'est quoi? Vas-y. Quand je serai disposée à parler, je t'appellerai, ok? Pourquoi est-ce que t'es devenue aussi sévère envers moi depuis que t'es tombée enceinte? Mike, ça c'est mon problème avec toi. Tu ne comprends pas quand c'est un oui ou un non. Mais va-t'en, pars, pars, pars!
Qu'est-ce que... Je... Écoute, je... As-tu perdu la tête? Mais va-t'en, va-t'en! Mais va-t'en, Mike, va-t'en, je vais t'appeler! Oh. Hey. C'est toi, bébé. Ça va? Ouais, je t'ai entendu parler à quelqu'un. Le gardien. Tu sais, c'est toujours pareil avec lui. Peu importe combien tu donnes à ce mec, il n'est jamais satisfait. C'est bon. J'ai eu un appel du bureau des douanes. Ils ont urgentement besoin de moi pour mes affaires, donc il faut que j'y aille. Oh, bébé. Hein? Je reviens. Vas-tu revenir? T'es sûr? Je reviens, d'accord? Tu vas me manquer. T'inquiète pas, je reviens, d'accord? D'accord. Très bien. Je t'aime. Moi encore plus. À tout à l'heure, hein? Ouais. Au revoir, bébé. Allô? Allô? Oui, Emeka à l'appareil. Vous m'avez demandé de vous appeler. Emeka? Oh! Oh, le, ce, celui avec la copine dérangée. C'est lui, Emeka. Bien, je suis toujours où vous m'avez laissé, tous les deux. Mais je m'apprête à partir tout à l'heure. Alors, si ça te dit, passe me faire un coucou. Ça marche, alors. J'attends que tu y arrives. Emeka, ce mec têtu est super mignon. Il s'est finalement décidé à me donner son nom. Ça commence à devenir intéressant. Wow. Hey, enfin, tu es là. Bonne arrivée. Tu es vraiment très belle. Merci. Je suis navré pour l'autre jour. C'était une journée difficile. Ce n'est pas grave. Je savais qu'on allait finir par être des amis. Pendant qu'on y est, j'irai droit au but. J'adore les beaux mecs. Et toi, tu me plais particulièrement, je ne sais pour quelle raison. Wow, tu as réussi à me faire rougir là. Il n'y a rien de mal à rougir. C'est un mensonge, c'est ça? Oui, ça l'est. Dis-moi. Est-ce que ta femme te laisserait-elle aller en croisée avec moi pendant 2 jours? Ma femme t'a dit? Écoute, je suis un homme, ok? Je peux faire tout ce que je veux. Je suis un adulte, j'ai des entreprises et des affaires partout dans le Nigeria et en Europe, donc ma femme n'a rien, elle n'a pas la parole. Bien, je suis la directrice de Gigi Cosmétiques. Mais je ne me vanterai pas pour autant. Ok. Peux-tu arrêter de me parler de tes affaires? D'accord. Si ça ne te dérange pas. Parce que je suis très sûre que tu n'as pas 6 millions dans ton compte. N'est-ce pas? D'accord. S'il vous plaît, rappelez plus tard. Pour le moment, elle est occupée. Bien. Je t'ai invité ici pour te courtiser. Alors, laisse-moi faire la conversation. Ok? Voleuse! Sale pute! Comme ça, tu as cru que tu pouvais me le piquer, c'est ça? Sais-tu qui je suis? T'es qui, toi? Sais-tu la fille de qui je suis? C'est qui ton père? Rappelle-le-moi. Dis-moi. John, s'il te plaît, t'as pas besoin de faire ça. Tu sais quoi? Peux-tu lui demander de partir? Sur le champ. Eh, que fais-tu là? Ne vois-tu pas que nous sommes occupés? Non, mais c'est clair. Je suis pas aveugle. Je peux voir que t'es occupée. Et occupée à faire quoi? Si les vigiles ici ne veulent pas faire leur boulot, je veux que tu fasses le tien. Fous-moi cette sorcière hors d'ici.
Ok, madame. Écoute, si tu me touches, si tu me touches, je m'assurerai que tu finisses ta misérable vie en prison. Vas-y! Mon père fera fermer cet endroit. En fait, il fera boucler toute cette ville. Caca. Sortez, je ne veux pas utiliser la force. Chérie, lève-toi. Allons-y. Je n'ai pas envie de m'énerver. Je fais l'effort de ne pas sortir de mes gonds. Lève-toi et rentre-toi à la maison. Bébé, je n'aime pas ce que tu fais là. Tu me mets dans l'embarras. Qu'est-ce que tu fais ici? Allons-y. Non. Si tu essaies de sortir d'ici, tu ne vas pas aimer. Alors assieds-toi. Je ne plaisante pas. Lâche-moi. Je ne sais pas qui t'as affaire. Pétasse. Laisse-moi mec tranquille. Lâche-le. Lâche-le. Bonjour, beauté. Mon rayon de soleil, debout, debout. Oh, qu'est-ce que c'est? Je t'ai fait un petit déj. Oh, mon Dieu. Ah. Ouais. Aussi adorable et romantique. Merci. Merci. Je t'en prie. Tu sais comment me faire sentir très important. Dis-moi ce que je ne sais pas. Vas-y, goûte. C'est toi qui l'as fait. Tout seul. Waouh. C'est délicieux. J'adore. Merci. Je suis content que t'aimes ça. J'adore. Rejoins-moi. Il faudrait que j'aille d'abord finir la vaisselle. Laisse ça au domestique. Ok, très bien. Tiens-moi compagnie pendant que je mange. Ok. Ça marche. Dis-moi. Où as-tu appris à cuisiner ainsi? Eh bien, ma mère tenait un petit restaurant à Naba. Sérieux? Waouh. Elle a fait du bon boulot. Élevé un très beau jeune homme. Et qui met toutes les tâches ménagères en plus. Tu me flattes là, tu le sais, n'est-ce pas? C'est vrai en plus. Je veux dire, depuis que tu es dans cette maison, tu ne cesses de me surprendre avec les petites choses que tu fais. Ça me touche. Merci. Eh bien, puisque tu travailles pas aujourd'hui, j'aimerais beaucoup t'emmener faire les boutiques. Bébé, je t'ai dit que j'ai tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. J'ai des voitures, des vêtements, des bijoux, toutes ces choses. La seule chose que je n'avais pas, c'est l'amour. Je l'ai à prison. Tu sais, lorsque je t'ai rencontré, je ne pensais pas pouvoir trouver l'amour à nouveau. Je pense que je suis retombée amoureuse à nouveau après 7 ans. Je pense que je suis éperdument amoureuse de toi. Écoute, ça m'est égal de qui tu peux être ou encore d'où tu viens. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis tombée dans les filets de l'amour. Je veux dire, je te voulais juste pour une ou deux nuits. Mais aujourd'hui, je suis là à te dire que je t'aime sincèrement. J'espère que jamais, jamais, tu ne m'abandonneras. Je te le promets. Jamais de la vie, je ne t'abandonnerai. Peux-tu arrêter, s'il te plaît? Il faut te calmer et me parler. Qu'est-ce qu'il y a? Lizzie, ma mère est en train de mourir. Je n'ai même pas un centime pour sauver sa vie. Qu'est-ce qui arrive à maman? Mais parle-moi, qu'est-ce qui arrive à maman? Insuffisance rénale. Seigneur. Hé,
Eve, je suis vraiment désolée. Je suis ta fille. Hey, Eve, je suis vraiment désolée. Comment puis-je t'aider tout de suite? Comment puis-je t'aider? Elle est hospitalisée. J'ai besoin d'un peu d'argent afin de payer le docteur. Combien? De combien as-tu besoin? J'ai besoin d'à peu près 1 000 000 de naira. Écoute, je vais vendre notre terrain pour compléter le reste, mais là, j'ai besoin d'1 000 000 de naira. Ok. Je pense que je peux gérer ça sur le champ. Laisse-moi transférer ça sur ton compte. Rien n'arrivera à maman. Dieu nous en garde. Rien n'arrivera à maman. Et arrête, s'il te plaît, arrête. T'es affilié à quelle banque? Quelle banque? First Bank. First Bank, ok. Vas-y, donne-moi ton numéro de compte. 3-0 7-6-5 Je ne t'entends pas. 18 2-3 C'est ça. Ok. Envoyé. Merci. C'est bon, arrête. Je suis reconnaissante. Merci. Maintenant, je dois partir. Merci. Tu es ma meilleure amie. Arrête, il faut que tu partes. Vas-y, rien n'arrivera. Merci. Tu m'appelles, d'accord? Ah, Seigneur, s'il te plaît, sauve cette maman. Rien ne lui arrivera, C'est qui le directeur ici? Je veux voir le directeur. Qui est là? Surtout pas du tout. Qui est là? C'est vous la directrice? Qui demande le directeur? Va me chercher le directeur. Es-tu idiote ou aveugle? Dépêche-toi d'aller appeler le directeur pour ma boss. Et dis-lui que ma boss veut le voir maintenant. Madame, le directeur n'est pas là. Oh, c'est bon. J'ai une réunion et je veux que cet endroit soit vide pour la réunion. Je veux voir tout le monde dehors dans 2 minutes. Madame, cela sera difficile. Que signifie ça ne sera pas possible? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, Célia? Sais-tu qui est mon père? Écoute, tu ne veux pas perdre ton boulot, n'est-ce pas? Je suis désolée, madame. Je dois m'occuper des clients. Ils me gênent. Alors, foulez à la porte et ce, sur le champ. Ne me perds pas, tu t'en. Si elle bouge, bute-la. Oui, madame. Hey, combien vous a-t-il payé pour ça? Voulez-vous perdre votre vie pour cette crétine? Voulez-vous que vos parents vous pleurent? Écoute, je vous donnerai 500 000 naira. Tu ne feras de cette délinquante hors de cet endroit. Tu dois être malade! En fait, tu es mentalement malade. Sais-tu combien je l'ai payé? Allez, venez. Venez par ici. Venez, vous pouvez me parler. Approchez, venez. Madame, je voulais juste... J'ai dû mal entendre quand vous parlez. Combien? Nelson, qu'est-ce que tu fais? 100 000 naira. Et sais-tu combien je l'ai payé? Je parie que tu ne sais pas. Vérifie ton téléphone, je t'ai fait un transfert. Vérifie ton fichu téléphone! Madame? Ça c'est 300 000 naira. La ferme! Madame, je vais accepter sa proposition. Écoute! Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu ne le penses pas? Fais ce pourquoi t'es là! Fais ce pourquoi je t'ai engagée! N'essaye même pas! Nelson! Madame, s'il vous plaît, que voulez-vous que je fasse? C'est simple. Mettez cette femme déjantée hors d'ici. La merde n'a rien à faire là où les personnes civilisées sont en train de dîner. Mettez-la dehors. Nelson! Oui, madame. D'abord les services premium. N'essaye même pas. Non, je ne peux, je ne peux pas. Tu ne peux pas me faire ça. Ça c'est, vous ne m'avez qu'envoyé 300 000. Arrête ça, tais-toi. Non, madame. Nelson. Non, vous devez sortir d'ici. Non, Nelson. Non, dehors. Mais Nelson. Non. Gérante. Bébé, t'as besoin d'autre chose? Pouvez-vous apporter du champagne? Parce que
Elle a dû potionner dans mon verre. Ouais. Vous pouvez déverser, s'il vous plaît. Apportez quelque chose de frais. Merci beaucoup. Que ce soit frais, ok? Oui, madame. Oh. Où étais-tu? Aux toilettes, madame. Oh. Ok. Est-ce que ça va? Oui, tout va très bien. Comme je te le disais, on s'en tiendra au plan. Ok, madame. Lizzie, dis elle-là! J'y crois pas. John, John! Oh mon Dieu! Assieds-toi, assieds-toi. Mon ami! Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans cette ville? Eh bien... Genre, est-ce que je rêve ou quoi? Non, tu ne rêves pas. Eh bien, ça fait bientôt un mois que je vis ici. Pour de vrai? Ouais. Je suis partie de Portaco pour des raisons personnelles. Grande dame, bien sûr que je te connais. Waouh, cette ville te va à merveille. Et je dois l'avouer, t'es magnifique comme d'hab. Quoi? Meuf, ton avis à quoi mon argent me sert? Je me dois d'être toujours au top. Évidemment, je sais, tu n'arrêteras jamais d'être belle. Tu n'arrêteras jamais. Oh, ma chérie. Nous le savons toutes les deux, tu n'arrêteras jamais de t'entretenir. Ça me fait plaisir de te voir après tant d'années. Moi aussi, je suis vraiment contente de te voir, tu sais. Je suis venue ici dîner avec moi, mon mec. Waouh, 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 waouh. Alors, qui est le recelé? Si tu le dis, moi aussi je suis chanceuse, crois-moi ma chérie. Le mec est riche et super humble. Qu'est-ce que tu dis? Mais il ne peut pas être aussi riche que John, le Joey que je connais, le millionnaire. Le million. Baisse le volume. Baisse alors le volume. Je vais taper dans le mille. Comme je suis contente pour toi. Je suis, je suis très contente de te voir. Je sais quoi? Qu'est-ce que tu fais là? En fait, je suis venue leur déposer un truc. Oh, ouais. Okay. C'est alors, c'est bon, t'es fini là? Oui, je suis sur le point de partir. Oh, ok, c'est parfait. Tu sais quoi? Quoi? Assure-toi de revenir ce week-end. Bien sûr, compte sur moi. On a du temps à rattraper. J'ai des business pour toi, ma chérie. Sérieusement, femme d'affaires, comme j'en cherche pas tant, hein. Allez, file-moi ton contact. Laisse-moi faire les business. Rassure-toi d'être là ce week-end. June, la joueuse. En personne, bébé. Elle va te sentir passer. Je te fais confiance. Putain, ma puce. Je suis très contente de te revoir. Oh mon Dieu, ce temps. Moi aussi, mon amour. Et tu m'as manqué. Oh. Tu m'as manqué. Il faut que j'y aille. D'accord, ma chérie. J'attends ton appel, ok? Je t'appellerai, t'inquiète. Je t'appelle. Prends soin de toi. Oh. Lizzie. Putain. Mais ce mec a osé. Mais quelle honte. Vraiment? Yeah. Il a osé me faire ça. Cette fille. Elle va m'entendre. Aïe, Dieu. Mes 1 million sont partis dans l'eau. Jai, où avais-je la tête? Où avais-je la tête? Ah, Seigneur. N'est-ce pas Eve là-bas? Eve? Hein? Oh. Mais d'où est-ce que tu viens là? Je pensais qu'en ce moment tu étais à l'hôpital avec maman. Qu'est-ce qu'il y a? Lizzie, mes yeux ont vu mes oreillons. J'espère que rien n'est arrivé à maman. Je ne t'ai pas dit. Les docteurs ont pris les 1 million de naira que tu m'as remis. Et celui du terrain m'a demandé de revenir la semaine prochaine. C'est pour cette raison que je pleure. Ne t'en fais pas pour ça, ok? Liz. Je ferai quelque chose dès que possible. Oui. Lizzie, merci. Ne serait-ce pas mes chaussures? Je pensais que tu m'avais demandé de les prendre. Eve, est-ce que t'es folle? Non, dis-moi, comment aurais-je pu te demander de prendre quelque chose que je n'ai porté qu'une fois pour un shooting photo? Mais ma puce, j'ai dû plier. Eve, j'ai tout fait pour toi. Il n'y a rien que tu me demandes et que je ne te donne pas. Je fais tout pour toi et tu as le courage de t'introduire chez moi et de me voler. Pourquoi? Pourquoi tu es comme ça? Plier, tu sais que s'il te plaît, arrête de me faire passer pour une idiote, ok? Je n'ai rien oublié. Je ne t'ai pas demandé de les prendre. Je suis désolée. Tu me déçois. Puis-je te suivre? Suis le feu. Est-ce moi qui t'ai amené ici? Ma puce. Mais j'ai dit que j'étais désolée. Ma puce. Oh, diable.
Papa, s'il te plaît, cet homme est tellement riche. Je le veux pour moi. Je ne veux pas qu'il regarde une autre femme en dehors de moi. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. Je vais t'aider. Merci. Personne ne vient chercher Bala. Et retourne chez lui. Déçu. Mais tu devras le jurer. Tu devras promettre de ne jamais abandonner cet innocent homme jusqu'à la mort. Ah, Baba, savez-vous de qui vous parlez? Comment pourrais-je penser à l'abandonner? Cet homme a, s'il contenait des marchandises qui arrivent dans le pays à l'instant où je vous parle, il a tout un tas de maisons dans le monde entier. Je ne pourrai jamais, je ne veux pas le laisser, je ne pourrai jamais le laisser. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, es-tu prêt à le jurer, oui ou non? Oui, je suis prête. Ide Fudike. Akwondondo dike mola kanodike. Afunde kambo babaranya. Atipwala. Afunde mwanya. Amato togolo bigo wulyu. Prends ça. Prends. Tiens, arrête-le avec tes deux mains. Voici le fort de Mbala. Voici le fort de Mbala. C'est un bâton ancien qui n'épargne aucun mécréant. Ce que tu t'apprêtes à faire, c'est soit la vie, soit la mort. À présent, réponds à une question de plus. Es-tu prête à aller jusqu'au bout? Oui, je suis prête. Ike Boutique. Alors répète après moi. À chaque fois que je le laisserai sous la pluie. À chaque fois que je le laisserai sous la pluie. Que cette pluie m'emporte. Que cette pluie m'emporte. Et que je n'y survive pas. Et que je n'y survive pas. Donne-le-moi. A force de briller. A force de briller. A force de briller. Iraya. Je vais te donner un char. Ok. Tu utiliseras ce char pour lui faire manger. Ok, Baba. Est-ce bien clair? Oui, monsieur, mais Baba, j'ai un autre problème. Ah. Il y a une fille vraiment très arrogante qui le dérange. À l'heure où je vous parle, c'est là-bas qu'il est. Ça fait déjà un bout qu'il vit avec cette fille. À cause de cette fille, il n'a même plus Dieu pour moi. Je veux... Elle n'est personne. Hein? Elle n'est personne. Considère-le. Tiens. Quand j'aurai accompli le rituel, il reviendra à toi. Oui, il reviendra vers toi. Ike! Mais Baba, encore une chose. Vous avez dit que je dois utiliser le charme dans son repas. Baba, je n'ai même pas un centime dans ma poche. Si j'avais au moins un naira, je vous l'aurais donné. Comment vais-je lui faire manger? Quand j'aurai accompli le rituel, je te livrerai son cœur. Entre tes mains. Alors, tout ce que tu lui diras, il le fera. À son retour, demande-lui de l'argent. Et utilisez cet argent pour lui faire à manger. Ok. C'est bien compris. Oui. Ige Pudike, Ige Pudike. Place bien les mains. Ça s'appelle Belesson. Si tu sais que Belesson, tu le sauras. Utilise le liquide dans cette bouteille pour laver tes parties intimes.
Quand tu auras fini, utilise cette eau pour lui faire à manger. À l'instant où il mangera ce repas, il t'appellera ma reine. Quand il ne pensera pas à toi, ça sera quand il dormira. Après ça, il rêvera de toi. Hike Budikenwe. Mais ne t'envisage jamais d'oublier ceci. Tu ne devras jamais et en aucun cas goûter à ce repas. Ok. Je vais me répéter. Ne mange pas cette nourriture. Me suis-je fait entendre? Oui. M'as-tu bien suivi? Ike Boudike, Ike Boudike. Hey bébé. Coucou mon cœur. J'aimerais aller voir ma mère. Dis-moi simplement que tu cours voir cette folle. Bébé, allez, pourquoi est-ce que tu dis ça? Écoute, je suis assez sain d'esprit pour vouloir m'associer à cette folle dingue de Ève. Allez, ne sous-estime pas tout l'amour que j'ai pour toi. Ok? S'il te plaît, ne me blesse pas en retournant avec elle. De toute ma vie, je n'ai jamais aimé autant. Je t'ai donné ma parole, ok? De plus, après ma mère, j'ai une tonne de choses à faire. Une fois fini, je suis à toi. Ça marche. Dis-moi, quand tu rentres? Je n'en sais rien. Mais crois-moi, je reviens bientôt, d'accord? C'est compris. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi. C'est bon. Laisse-moi t'aider à faire tes bagages, ok? Ok. Oh, mais avant, je reviens. D'accord. Comme ça, cette fille continue de l'embêter. Pour qui me prend-il ce mec? À présent, je dois lui donner de l'argent pour qu'il aille voir cette dégénérée d'Ève, milliardaire avare. Coucou bébé, tiens ça. Pour en faire quoi? C'est pour toi. Bébé, allez. Écoute, je n'ai pas besoin de ça. Je sais que tu es plus riche, mais t'as pas à me donner de l'argent. Là n'est pas la question. Écoute, c'est le premier cadeau que je te fais. C'est bon. Utilise-le pour t'offrir quelque chose, ok? Je t'aime, il faut que j'y aille, ok? Wow. Ce mec a une maîtrise de soi de dingue. Je suis officiellement amoureuse de lui. C'est pas vrai. Pourquoi ai-je refusé cet argent? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma tête? Madame a demandé que je vous donne ceci. Qu'est-ce que c'est? Hein? Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de son argent. J'en ai assez. Elle a dit que c'est pour votre mère. Pour ma mère? Oui, prenez-le. Qu'est-ce que je vais faire avec 1 million Naira? Hein? Je le prends à cause de ma mère.
J'arrive. Non, mais je rêve. Peux-tu me dire ce que tu fais ici? Je suis de retour pour toi. Tu plaisantes, c'est ça? Mais je pense que tu es stupide. Je pense que tu es stupide. Tu y es très bête et... Je ne comprends pas. Parce que tu penses que moi, Idiala, la fille unique du plus grand sénateur, va rester ici et t'attendre avec les bras ouverts. C'est la vraie définition de la folie dans toutes ses formes et ses couleurs. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Bébé, je suis désolé. Tu es désolé? Oui, tu dois être désolé. Oui, tu dois être désolé pour ta misérable vie. C'est tout ce que tu peux dire? T'es désolé. Regarde. Écoute, je pense que je t'ai chéri là maintenant. N'ose pas me toucher. Est-ce que tu m'entends? N'ose pas me toucher. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Salut bébé. Hey. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce fais? Qu'est-ce que c'est? Mon cœur, je t'ai apporté à manger. Hein? Ouais. Je ne mange pas d'igname. Tu ne manges pas l'igname? Non bébé. Tu ne manges pas les ignames? Je n'ai jamais mangé d'igname de toute ma vie. Mais bébé, regarde. Tu peux juste manger celle-ci, peu importe la quantité, s'il te plaît. Est-ce que tu veux que je meure? Oh bébé, pourquoi voudrais-je que tu meures? Je ne veux pas que tu meures. Alors ne me force pas à manger tes ignames, car ça pourrait me créer un malaise. Je ne sais pas ce que cette sorcière t'a fait. Je me suis épuisée tout au long de la journée pour te faire manger. Tu ne sais même pas ce que ça fait d'être rejetée. Pourquoi est-ce que tu réagis ainsi, hein? Pourquoi parles-tu ainsi, hein? Juste, je veux juste que tu goûtes mon repas. Juste un tout petit peu, ça me rendra heureuse. Ok, c'est bon. Est-ce que tu peux arrêter? Stop. Je mangerai un peu de poisson, oui. Ok? Merci. Ouais. Bébé, tu vas te régaler. Juste le poisson. Ouais, juste le poisson. C'est bien ça, bébé. Merci. J'ai quelque chose pour toi. Pour moi? Ok, qu'est-ce que c'est? Je sais que ce n'est pas ce que ton père a l'habitude de te donner, mais tu devras faire avec. Oui. Qu'est-ce que tu cherches exactement? C'est un chèque. Un chèque? Alors, où est-ce que tu l'as déposé? Il est censé être juste là. L'as-tu trouvé? Regarde en bas. Bébé, ce n'est pas ici. Il n'y a rien. Oui, où l'as-tu mis? Attends. Bébé, nous devons le chercher. Bébé, te souviens-tu? Oh mon Dieu. Ce mec est tellement imprévisible. Les façons dont il est en train de gagner mon cœur. Au fur et à mesure que le temps passe. C'est un vrai régal. Ah.
Ça m'intrigue. Comment quelqu'un peut-il se contenter de... du peu qu'il possède? Mince alors. Ça, c'est le genre d'homme que je veux à mes côtés durant toute ma vie. Je suis amoureuse de cet homme. Bébé, il faut vraiment que tu ailles le chercher. Peux-tu te calmer? Calme-toi, ok? Je dois réfléchir au dernier endroit où j'étais avant de venir ici. As-tu fouillé dans ta voiture? Ce n'est pas dans ma voiture. Mais t'inquiète pas, si je le trouve, je te le donnerai. Attends, quand est-ce que tu vas le trouver? Écoute, j'ai besoin d'argent. J'ai quelque chose à faire avec de l'argent aujourd'hui et j'ai besoin de cet argent aujourd'hui. Bébé, est-ce que tu m'entends? J'ai dit que quand je le trouverai, je te le donnerai. Quand exactement? Écoute, ne me dis pas que tu ne peux pas prendre soin de moi. Est-ce que tu essayes de dire? Tu es un grand garçon. Trouve-moi un autre chèque. N'es-tu pas un grand garçon? Oui, je suis un grand garçon. Ok. Bébé, je t'ai dit que mes conteneurs étaient en chemin et j'ai besoin d'argent pour les dédouaner. Laisse-moi deviner. Je veux passer le restant de ma vie avec toi. Donc, parce que mon père est riche, je dois passer le restant de ma vie avec un pauvre qui n'a rien à m'offrir. C'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu dis? Bébé, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas ton comportement. Hein? Bébé, je pensais que tu je... Tu pensais que quoi? Oui, mon père est un milliardaire. Ça ne signifie pas que je vais rester avec une personne qui ne prendra pas soin de moi. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu dis? Évidemment que je prendrai soin de toi. Bébé, ce que je dis, c'est que mes conteneurs sont en chemin. C'est pour ça que je suis aussi serré, ok? J'ai besoin d'argent. Je veux que tu me prouves que tu peux prendre soin de moi. Ou tu n'es pas ce gars chanceux qui rentre avec 10 milliards de naira dans le sac. De quels 10 milliards de naira tu parles? Ah, s'il te plaît, tu la fermes. Arrête de faire semblant. Tu veux me dire que tu ne regardes pas la télé? Donc tu ne sais pas que mon père donnera 10 milliards de naira à l'homme qui me prendra pour épouse. Et ses affaires aussi. Et ses plus grandes affaires. Dis-moi que tu n'es pas au courant. Vraiment? Oui, vraiment. Attends, donc... ce que tu es en train de me dire, c'est que quel que soit l'homme qui t'épousera, il obtiendra 10 milliards de naira et toutes les affaires immobilières de ton père. Tu m'as très bien entendu, mon petit cœur. Cette fille, c'est deux. Il lui faut cet argent. 10 milliards de naira. Et... Emeka. Emeka, c'est ta chance. 10 milliards. Je dois régler ça. Hey, ce charme fonctionne. Qui? Juste une fois? Bébé, pourquoi m'as-tu tourné le dos ainsi? Hein? Est-ce que je ne prends pas soin de toi depuis qu'on se connaît? Ah, vraiment? Qu'est-ce que tu as fait pour moi depuis qu'on s'est connus? Oui, je te le redemande, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Écoute, je veux juste me rassurer que tu n'es pas un croqueur de diamants qui cherche du diamant à croquer. Oui. Allez, pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Connais-tu l'étendue de mes biens? Ou alors c'est parce que j'attends sagement l'arrivée de mes conteneurs? Bébé, je peux vendre l'une de mes maisons pour toi et tu pourras utiliser l'argent pour faire ce que tu veux. Si ça te rendra heureuse, je peux le faire. Ah, bébé, tu sais, pas besoin d'aller si loin. Tout ce que je veux, c'est de voir me prouver que t'es un homme. Je veux juste me rassurer que tu prendras soin de moi lorsqu'on sera mariés, c'est tout. Bébé, je prendrai soin de toi. Écoute, laisse-moi chercher ce chèque, ok? Lorsque je le retrouverai, je te le donnerai, promis. D'accord, bébé. D'accord? Je serai à l'intérieur, bébé. S'il te plaît, ne me tourne plus jamais. Je ne le ferai plus. Mmh. 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 Mmh.
Merde. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, mon amour. Tu sais, j'avais peur que tu ne te retrouves pas facilement. Qui peut ignorer la plus belle maison de tout le voisinage? Tu recommences encore. Et ce n'est que la vérité. Bref, je suis contente de te voir. Si tu étais venue une minute plus tôt, crois-moi, t'aurais vu mon homme. Ton homme? Oui. Il vit ici avec toi? Non, c'est pas le cas. Eh bien, il me rend juste visite. Ah. Ok. Meuf, j'ai vu ce que ton père a publié dans le journal aujourd'hui. Oh ça, cet homme est un bourreau des affaires. Mm-hmm. Il est tout le temps à la recherche de, tu sais, tous ces jeunes nouveaux partenaires. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? June, s'il te plaît, on pourra en parler plus tard, ok? Sous un temps plus détendu. J'ai besoin de boire quelque chose de frais parce que je suis assoiffée et je meurs de faim. Oups. Mm-hmm. Pardonne mon indélicatesse. Mon cœur, je suis désolée. J'aurais dû le faire plus tôt. Tu sais quoi? Détends-toi. Fais comme chez toi. Je reviens. Je t'attends. Je suis contente de te voir chez moi. Moi de même, ma chère amie. Moi de même. Santé, ma puce. Le chef en train de cuisiner quelque chose quand ce sera prêt, il nous l'apportera. Ça marche. Merci infiniment. Je t'en prie. Dis-moi, ma puce. À propos de ce dont on vient de parler, tu sais, ton père, qu'est-ce qu'il raconte? Tu veux parler de ce qu'il a publié aujourd'hui dans le journal? Mm-hmm. Quoi d'autre? Ma sœur, cet homme est un bourreau des affaires. Mm-hmm. D'après ses propos, il exige que la condition à remplir est que l'intéressé doit avoir 10 milliards de naira dans son compte. 10 milliards de naira évalués en propriété. Et si l'intéressé aimerait être son partenaire dans la construction du nouveau, quartier près de la rue de l'aéroport. Tu connais le plus marrant dans cette histoire? Après cette affaire, mon père mettra à disposition un peu plus de 100 milliards de naira pour ce mec. Mmh. Putain, meuf! Waouh! Quelle idée ingénieuse! Je t'assure, cet homme, un bourreau des affaires, cet homme est impossible. Impossible. Ça l'est vraiment. Ouais, ça l'est, mais qu'est-ce qui lui fait croire que j'accepterais ce type d'homme? Je veux dire, la plupart des mecs se lanceront sans toutefois connaître toutes les conditions. Tu as raison. Putain. Ça, c'est la partie la plus roublarde de l'affaire. Tu sais, dans ce genre de business, absolument tout peut être parié. Absolument tout, tout. Qui sait, peut-être que moi aussi. Tu sais. J'ai juste... Je pense qu'il faut que ton père m'apprenne deux ou trois trucs. Ton père, il est s'il impressionnant. Te plaît, arrête ça. Arrête. Non, c'est bon, mais là. T'as vu comment? Le mec a tout calculé. Putain. Je pense que ton mec invisible a de la chance de t'avoir. Crois-moi, ma chérie, c'est moi la chanceuse. Je sais ce que je dis, tu sais. Ce mec me chouchoute. Il me traite comme la reine que je suis. Je veux dire, il est si romantique. Crois-moi. Tu sais, vu la façon dont tu parlais de lui au restaurant, je pensais que c'était l'un de ces gigolos qui demande à être payé après service rendu. Payé pourquoi? Mais belle, je ne paye pour rien du tout. Ce mec a tout ce qu'il faut. Hey, écoutez mon ami, oh. Tu sais, ce mec a des chaînes commerciales dans tout le continent. T'es sérieux, là? Ce mec est tellement... L'osesse. Oh mon amour, je suis si contente. Je suis contente pour toi. Félicitations. Merci. C'est super. Tu nages dans le bonheur. Conçu au paradis. Oh, oui. Oh, les je yeux de la directement envoyé. Tu l'as envoyé à moi. Et encore que là. Félicitations, mon amour. Bon je suis d'avoir. Si contente Merci. Pour toi. Je suis contente. Également contente pour moi. Je suis heureuse pour Merci. Toi. Merci. L'amour. Mike! Si j'ai bonne mémoire, je ne t'ai pas invité ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour l'amour de Dieu, je t'ai dit que j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de me découvrir et j'ai besoin d'un peu de temps pour être
gueule. Tu ne comprends pas à quelle partie de tout ça tu ne comprends pas. Hé, pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de me faire ça? Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de me traiter tout le temps comme si j'étais un paria? Oh, Seigneur, t'es sous quoi? Je t'ai supplié, j'ai crié, mais t'es tellement stupide et égoïste pour comprendre. Oui, c'est ça. Moi? Stupide? Oui, t'es stupide et égoïste, tu crois? Oh, très bien. Je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas dit exactement ce qui se passe, Eve. Tu veux savoir ce qui se passe? Ouais. Je te le dirai. Tu n'as aucune manière. Tu me saoules déjà, Mike! C'est ce qui se passe! Oh, je vois. Je vois quelqu'un d'autre que moi, c'est la raison pour laquelle tu agis ainsi. Oh, qu'est-ce que tu viens de dire? Je te trompe, c'est pour ça que j'agis ainsi. Ouais, va-t'en. Tu me trompes. Va-t'en! Que je sors? J'ai dit sors de ma maison et sur le champ! Hé, hey, mais qu'est-ce que t'as? Arrête ça! Tu sais quoi? Reste là. Hé, hey, mais qu'est-ce qui te prend? J'arrive. Ah, ma puce. Ah, pourquoi est-ce que tu ne décroches pas mes appels? Tes appels? Ouais. Ma puce, je suis tellement triste. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que ça n'a rien à voir avec maman. Elle est toujours dans son état pareil. Oh. Attends. Maman est toujours dans le même état et tu es ici, en ville, à te tourner les pouces. Mais je pense t'avoir dit ce que le docteur a dit. Tu ne m'as rien dit du tout. Tu m'as seulement dit. Mais je t'ai dit que... Qu'est-ce que tu m'as dit? Désolée. Eve, pourquoi tu te fais ça à toi-même? Eve, ce n'est pas pour ça que je suis là. Ok. Je suis venue ici pour te poser une question très simple. Et je demande une réponse honnête. Ok. As-tu fait du shopping dans une boutique en mon nom? Hein? Je comptais t'en parler. Alors c'est vrai. Comme ça, tu usurpes mon identité dans cette ville, Eve. Non! Comment ça, usurpation? Que Dieu m'en garde, comment pourrais-je le faire? Ah, ma puce! Ah, ma puce, laisse-moi te dire ce qui s'est passé. Je suis allée à la boutique pour m'acheter certains trucs et j'ai eu à payer certains d'eux. Puis ces idiotes ont insisté pour que je donne une garantie avant que je prenne les articles que je n'ai pas pu payer. Elles voulaient juste me foutre la honte là-bas. Est-ce que tu t'entends parler là? Hein? Est-ce que tu t'entends parler? Hey. Tu parles comme une gamine. Qu'est-ce qui t'a empêché d'acheter les vêtements qui étaient à ta portée? As-tu besoin de paraître, Eve? Ma puce, mais ce n'est pas une fausse vie. Tu me connais, mon ami. Ma puce, calme-toi. Tu ne veux pas travailler, mais tu veux dépenser de manière extravagante. Eh bien, je suis venue te dire en face que tu as 2 jours pour évacuer cette maison. Parce que mon père sera de retour la semaine prochaine. Je le sais. Tu le sais. Alors tu ferais mieux de faire tes bagages. Mais calme-toi, je suis quand même ton ami. Le paraître ne t'amènera nulle part. Tes amis devraient-ils mourir de faim? Tu es averti. Dis-moi. Ma puce, je suis désolée. Oh diable. Mais je suis désolée. C'est quoi cette histoire de fausse vie? Je, fille de sénateur. Mama est désolée, oh. You don't make it not to know your real self. Oh, pourquoi tu mangeais cette nourriture? Cette nourriture n'a pas été préparée pour toi. J'avais plutôt faim, je suis désolée. Oh, Seigneur, c'est quoi ton problème? Pourquoi l'as-tu mangé? Je n'aurais pas dû le faire. Oui, ce n'était pas fait pour toi. Hein? Je ne l'ai pas préparé pour toi. Oh, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? C'était pour ton nouveau mec, pas vrai? Oh, Seigneur, pourquoi ai-je laissé ce plat ici? Pourquoi l'ai-je laissé ici? Est-ce qu'il y a un problème? Oui.
Eve, c'est simple, vas-y, dis-le-moi. Il y a un problème. Quel problème? Toi. Moi? Oui, Mike, c'est toi le problème. S'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, il faut que tu partes. Vas-y, pas d'ici. Il n'y aura plus jamais de problème. S'il te plaît, je t'en supplie. Ok, Eve, écoute, tu veux que je paye ton repas? Dis-moi combien je paye. Mais qui t'a dit que je voulais de ton argent? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? T'es sûr ou quoi? Tu me crées dessus, Eve. Ok, je ne bouge pas d'ici tant que tu m'as pas dit que Oh mon Dieu. Je ne bouge pas d'ici tant que tu ne m'as pas dit que tu m'aimes. Oh mon Dieu, Mike, s'il te plaît, sors. Je t'en supplie, va-t'en. Non, arrête de faire semblant de pleurer. Dis-moi que tu m'aimes et je m'en irai. Eve. Oh Seigneur. Pourquoi est-ce que tu fais semblant de pleurer? Je t'aime de... La ferme! Je t'aime de plus en plus et... Hein? Frangin? C'est encore loin? Décroche, qu'est-ce que c'est là? Plus vraiment, c'est juste là. Encore un effort, on y est presque. Juste un petit effort. Je te l'ai dit. Si au moins tu marchais comme un homme, nous serions déjà loin. Alors? Je t'ai dit que... Allez, fais un effort, Frangin. Allons-y, tu m'as déjà... Mais ce n'est pas juste. Allez, avance. Hein? Voyons, tu m'as dit que j'avais besoin de la voiture pour une ou deux nuits. Que se passe-t-il, Emeka? Regarde-moi ce mec, un gros paresseux. Hein? Oui, regarde-toi. Tu es sérieux? Hein? Emeka, qu'est-ce que tu viens de dire? Comment peux-tu faire le tour de la ville avec la voiture de mon boss? Emeka! Hey! Tu veux qu'il me foute à la porte? Il a dit que c'était paresseux, il s'est fait en plus. Sais-tu vraiment qui est mon boss? Tu sais vraiment qui il est? Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Emeka, arrête de m'insulter! Hey! Alors, on y va ou quoi? Emeka, tu t'entends parler là? Et que tu n'as pas la moindre idée de ce qui pourrait bien s'abattre sur toi, Emeka. Tu es nuisible. Si tu savais vraiment l'ampleur de ce que tu es en train de faire, Emeka, tu te dépasserais de là où tu te trouves pour amener cette voiture. Crois-moi, tu sais même pas où tu as mis les pieds. Mais d'où lui est venue cette idée? Il me dit qu'il a besoin de la voiture pour une et demie. Et c'est parti. Ce gars est incroyable.